Philippe Toreton, bonjour, merci de nous accueillir sur notre blog Passion Bouquin. C'est vous c'est vous qui me recevez, hein. Ah ouais. Je viens là avec plaisir. Alors, vous êtes ici à la Foire du Livre de Saint-Louis pour présenter entre autres votre livre sur les lettres à François Hollande. Alors, vous avez écrit ces lettres au fil des ans. Et pourquoi cette envie de lui écrire sans lui envoyer ces lettres, enfin, d'avoir une vraie réflexion? D'abord parce qu'au départ, c'était pas un livre. Au départ, c'était un défouloir politique que j'avais, une façon de chroniquer pour moi les premiers pas de Hollande président en fonction de ce qu'il avait dit pendant la campagne, de ce qu'il commençait à faire. Et puis, donc c'était vraiment... De toute façon, j'écris tout le temps. Et parfois, il y a certaines pages deviennent des livres. Et puis, la plupart d'entre elles restent pour moi personnelles. Et puis, j'ai une proposition de la part de Flammarion, quelques temps après, d'écrire un livre politique. Et j'ai refusé parce que je savais... Je voyais pas par quel bout ça prendre. Enfin, je voyais pas quelle était la plus-value de ça, le biais pour prendre ça. Et donc, j'ai botté en touche. Et puis, ils sont revenus à la charge. Et là, je leur ai lu les lettres que j'avais commencé à écrire. Ces vraies, fausses lettres. Je dis vraies, fausses parce qu'elles sont écrites au moment où ça se passe, en fonction de l'actualité, des déclarations, des discours et autres. Et fausses parce qu'elles sont pas envoyées. Voilà. Et ça leur a plu. Donc, si ce livre peut être un recueil de lettres, une sorte de fausse correspondance comme ça, ou à sens unique, plutôt que dire fausse, c'est plus une correspondance à sens unique, dans ce cas-là, moi, je veux bien continuer. Et puis voilà, c'est devenu ce livre. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi François Hollande, est-ce qu'il y avait une attente par rapport à son élection, par rapport aussi aux actions de son prédécesseur, pour changer des choses en profondeur? Moi, j'en attendais pas grand-chose, puisque j'ai pas voté pour lui au premier tour, j'ai voté pour lui au second tour, je savais quel est son positionnement, social-démocrate, etc. Donc, j'ai rien appris. Simplement, il y a eu le discours du Bourget, il y a eu certaines promesses qui ont été faites, qu'il n'était pas obligé de faire, qu'il s'est senti obligé de faire peut-être, mais personne ne lui a obligé de dire par exemple mon ennemi c'est la finance. Personne ne l'a obligé à dire ça. Personne ne l'a obligé à affirmer que pendant son quinquennat les étrangers extra-communautaires devraient accéder aux élections locales, pourraient voter aux élections locales. Personne ne l'a obligé à dire ça. Et j'en passe. Et d'autres. Personne ne l'a obligé à dire par exemple qu'il n'y a jamais qu'une politique possible. Ce qui devient 2 ans et demi après, dans la bouche de Manuel Valls, il n'y a qu'une politique possible. Donc c'est tout ça que je mets en avant, c'est tout ça qui m'a fait écrire. Tous ces renoncements, toutes ces peut-être maladresses, peut-être ces... ou ce populisme, comme cette baisse du budget et de la culture à peine arrivée au pouvoir, qui a été dramatique et qui reste encore dramatique. Il faut rappeler quand même que sur tout le territoire français, cette année, il y aura au moins 170 manifestations culturelles. Donc, Salon du Livre, Festival de Films, Festival de Théâtre, Les Arts de la Rue, etc., etc. 170 manifestations culturelles qui n'auront pas lieu par manque d'argent. Et donc, c'est quand même, on vit une époque terrifiante de ce point de vue-là. Et c'est ça qui me fait réagir depuis toujours. Mais pourquoi lui précisément? Parce que un candidat de gauche qui accède au pouvoir, de toute façon... Qu'il soit à la droite du Parti Socialiste, qu'il soit plus à gauche du Parti Socialiste, etc. Peu importe, il incarne le changement. C'est presque génétiquement programmé. Enfin, c'est un atavisme politique. Donc, il y a une... Même pour des gens comme moi, qu'on n'attendait pas grand-chose, il y a une attente quand même. Et c'est comme ça. Et il en a fait d'ailleurs son slogan de campagne. Le changement, c'est maintenant. Et finalement, peut-être qu'on s'est trompé, il voulait dire que le changement, c'est-à-dire c'était une politique libérale assumée par la gauche. Parce que la gauche a été très loin, beaucoup plus loin que la droite dans certains domaines, de restrictions budgétaires, de retrait de l'État. La gauche est en train de faire les réformes que la droite n'osait pas faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable choix pour un gouvernement, quel qu'il soit? Est-ce qu'on peut en attendre vraiment quelque chose parce que c'est un gouvernement de gauche? Il y a deux questions dans la question, mais sur la question du choix, oui, il y a un choix. Le choix, il peut être... Enfin, les solutions ne sont pas faciles parce qu'on se heurte à un monde financiarisé. Donc,
Donc il ne suffit pas de dire je vais, je sais pas, augmenter mes services publics en dépit de ce qu'on me dit de faire. Ou de... faut pouvoir le faire, bien sûr, faut pouvoir peser. Mais je crois que la valeur aussi d'un parcours politique se dessine aussi par les tentatives. Bien sûr, on espère les réussites. Mais là, il n'y a même pas de tentative sur plein de choses, de mettre un frein à cette rigueur, à cette orthodoxie budgétaire dictée par Bruxelles. On pourrait prendre ses distances par rapport à ça. On pourrait même menacer. La France n'a pas zéro poids dans cette balance, dans cette construction européenne. Même s'il est de bon ton de dire qu'elle s'affaiblit, mais on pèse. Le peuple français pèse dans cette construction européenne. Donc tout d'un coup, un point sur la table de la France, ça ferait du bruit. Je ne sais pas quelles conséquences ça aurait, mais ça ferait du bruit. Le tout est de savoir pour quelle cause on tape du poing sur la table. Mais là, il n'y a même pas cette volonté-là. C'est une obéissance servile à une orthodoxie financière. Et puis, par exemple, on peut s'entendre sur le fait que, bien sûr, il faut faire des économies, etc. Bon, il faut alléger, finalement, l'endettement français pour retrouver un peu d'air, pour pouvoir réinvestir ailleurs. C'est sûr. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est d'accord là-dessus. Simplement, on peut se dire aussi, on cherche à faire des économies, on parle de... Alors, c'est jamais les mêmes chiffres, mais on parle entre 50 et 60 milliards d'économies par an, ce serait bien, ça permettait de rembourser un peu la dette, de s'alléger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand, par ailleurs, 600 milliards d'euros par an échappent à la France par le biais de l'exil fiscal et l'optimisation fiscale, y compris l'optimisation fiscale au sein de la zone euro. C'est quand même incroyable qu'il soit plus rentable pour certaines entreprises d'aller déclarer leur siège social en Hollande, par exemple. C'est presque un suicide, on se tire une balle dans le pied. L'Europe se tire une balle dans le pied en conservant. C'est quand même incroyable qu'un citoyen français puisse payer moins d'impôts en franchissant une frontière. C'est pas normal. Donc... Et là, je vois qu'il n'y a pratiquement pas d'effort de fait. L'autre jour, Michel Sapin se réjouissait d'avoir fait rentrer, grâce aux petites réformes qu'ils ont mis en place, et à un système de deal, genre tu ramènes ton argent en France, et puis on te bidouille une petite amende, voilà, et puis tu n'iras pas en prison, en gros. Parce qu'il existe toujours ce fameux verrou de Bercy. C'est un truc incroyable en démocratie. C'est-à-dire que le ministère des Finances a le pouvoir ou non de bloquer un processus judiciaire ou de transmettre ou non un dossier à la justice. C'est juste hallucinant comme pouvoir. Je croyais que ça existait que dans des États fascistes. Non, c'est la France. Ça existe en France. Donc déjà, ça me révolte. Et là, vis-à-vis de ces 600 milliards, Michel Sapin se réjouit de 4 milliards qui sont rentrés, ce qui représente, si mes calculs sont bons, 0,7% de ce qui échappe. Alors on va me dire, pourquoi pas, c'est déjà mieux que rien. Hein. Moins d'un pour cent, c'est mieux que rien. Mais moins d'un pour cent, dans plein de statistiques, c'est la marge d'erreur. Que si ça se trouve, on est dans la marge d'erreur. Donc c'est infime par rapport à... C'est comme si, je sais pas si je devais faire une comparaison, c'est comme si on avait un bateau qui avait la coque trouée, l'eau qui s'engouffre, etc. Et on demandait quand même aux passagers de bien fermer les robinets pour pas qu'il y ait des gouttes qui puissent éventuellement faire couler le bateau plus vite. Alors, vous êtes un homme engagé dans la vie, hein, mais vous êtes aussi un acteur. Alors, pour conclure, j'ai la même chose. Ça c'est vous qui dites. Ah bah oui, comment c'est un engagement de monter sur scène. C'est il faut donc après l'engagement, il est pas obligé de prendre une couleur politique. Comme moi je le fais, mais c'est engageant. La vie d'un artiste est engageante. Jouer Shakespeare, jouer Richard III, jouer Othello, jouer du Brecht, c'est engageant. Il y a quelque chose. On est porté. Jouer Cyrano, c'est engageant. On ne peut pas jouer Cyrano et n'avoir rien à dire sur la société. Ou alors faut être, je sais pas, faut avoir une panna cotta dans le cerveau, quoi. Mais normalement, on peut pas jouer un être indépendant qui dit son fait à tout le monde. Et ne pas réveiller en soi au moins quelque chose de qui aimerait être comme ça. Les rôles, la parole, les poètes écrivent des choses qui titillent des choses en nous. Sinon ça n'a pas de sens. Enfin, sinon c'est de la récitation. Alors, quels sont vos projets ou de théâtre ou de cinéma? Théâtre, ça va être janvier 2016,
Othello de Shakespeare, mis en scène par Luc Bondy. Avant, je vais être en tournée avec des textes d'Alain Leprest, un chanteur disparu il y a 3 ans, qui a une écriture incroyablement forte, magnifique. Et c'est, donc, ce sera la deuxième tournée. Ça, on va faire c'est 2 saisons qu'on tourne avec ça. Et puis, entre-temps, c'est des rendez-vous comme ici. À Saint-Louis, je vais aller à Arcachon la semaine prochaine pour un salon du livre aussi, des signatures dans des librairies, et puis écrire encore plein de choses. Ben, Philippe Torreton, merci beaucoup. On vous suivra partout, donc sur scène et dans votre vie de citoyen engagé. C'est gentil, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Notre avenir dépend justement de la qualité de nos débats.